Empêcher de partir. Mais Koum Koum, on en peut
chercher des pierres comme ça jusqu'à demain matin. Coum, coum. Qu'est-ce que tu en penses si on essayait de jeter cette grosse pierre-là? Ouais, très bonne idée. Mais tu crois qu'on va pouvoir la déplacer? Allez, aide-moi à la pousser. Mais qu'est-ce que vous faites, pauvre malheureux? Ah, tu tombes bien, Fortos. Aide-nous donc à pousser cette pierre dans la rivière. Fais-tu des cailloux, là? Ouais. Ah, oh, ouais. Bravo, Fortos. Vas-y, jette le rocher dans la rivière. Mais pour quoi faire? Mais pour faire un barrage, gros malin. Oui, tu comprends, on veut faire un barrage pour attraper un énorme poisson arc-en-ciel. Vous voulez capturer un poisson arc-en-ciel? Mais c'est scandaleux, ça. Vous n'avez pas honte, garnement? Oh! Je ne veux pas faire de mal à un poisson qui ressemble à un arc-en-ciel. Je m'en vais. Viens, moustique, on rentre à la maison. Salut les copains. Oh, mais... Allez, viens. Sale lâcheur! Il peut toujours courir pour voir le poisson quand on l'aura attrapé. On veut attraper un poisson. On ne vous a jamais dit qu'il fallait un filet pour attraper un poisson, petit concre? Ouais, mais c'est un poisson énorme, au moins 10 fois grand comme ça. Il n'y a pas de poisson de cette taille dans notre rivière. Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une sardine? Une sardine. Ne touchez jamais à ce poisson. Et pourquoi? Si vous le capturez, quelque chose d'épouvantable arrivera. Je vois pas le rapport. Ce poisson est le démon. Celui qui le capturera sera maudit. On veut pas le manger. On l'aime bien, on veut juste l'attraper pour le regarder. Vous êtes des enfants insupportables, vous voulez jamais obéir. Ne crois pas à tes histoires. Oh, petit malheureux, prenez garde en en faisant qu'à votre deuil que le malheur ne s'abatte sur vous. Ça y est. Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. T'inquiète pas. L'édition du poisson arc-en-ciel a déjà commencé. Ça y est, si on peut l'amener par ici, il sera pris au piège. Ça peut peut-être attendre demain, Koum Koum. Ouais, on s'en occupera demain à la première heure. Et on s'amusera bien. Oh, trempé, Lily Belle. Tu sais bien que la rivière est profonde et que c'est dangereux. Ce ne sont pas des jeux de petites filles. Et qu'est-ce que vous avez fait à cette pauvre escarbiche? C'est vrai que cette bande de galopins l'a poussée dans la rivière? Non, maman, elle est tombée toute seule. Ça suffit. Dis-moi plutôt qui a eu l'idée d'attraper ce poisson arc-en-ciel qui, d'après escarbiche, est un poisson maudit et qui porte la malédiction. C'est Koum-Koum. J'aurais dû m'en douter. Je t'interdis de fréquenter ce petit voyou, Lily Belle, ou tu auras affaire à moi. Tu as bien compris, Koum-Koum? Non. Tu es un petit garçon très désobéissant. Tu entends? Je t'ai interdit de jouer à la rivière. Oh, attendez. Koum-Koum. Sais-tu que lorsque ton grand-père était enfant, le poisson arc-en-ciel était déjà dans la rivière? C'est vrai, papa. Je croyais qu'il était mort depuis longtemps, mais d'après ce que tu me dis, je vois qu'il est toujours là. Le poisson a toujours habité dans la rivière? Apparemment, oui. Tous les poissons vivent aussi vieux? Celui-là, oui. Mais pourquoi, papa, pourquoi? Parce que c'est un poisson magique. Parce qu'il fait des choses magiques contre ceux qui veulent le capturer, comme il a fait à ton grand-père et comme il m'a fait à moi quand j'ai voulu l'attraper. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? J'ai reçu une bonne fessée.
la même que celle que ton grand-père avait reçue. Ah, mais dis donc, si j'attrape le poisson, toi aussi tu me donneras la fessée? Je t'en donnerai une si grosse que tu ne pourras pas t'asseoir pendant 2 jours. Oh. Allez, Koum-Koum, rentre à la maison. Il ne faudrait pas que maman s'inquiète. Sa mère lui a interdit de venir s'amuser avec moi. Vite, avant que le poisson s'en aille. Non, je veux pas. Tu fais comme tu veux, moi ça m'est égal. Non, j'irai pas. Allez, dépêche-toi. J'ai pas le droit d'y aller. Quelle poule mouillée. Elle est encore là, petit, petit. Ça me fait mal. J'arrive! Ils sont noyés, mon pauvre Koum-Koum. Et moustiques. Ils sont morts. Oh oui, leurs cadavres sont au fond de la rivière. Le poisson arc-en-ciel, il les a dévorés. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Koum-Koum est vivant! Il est vivant! On a obligé le poisson à descendre le courant. Aidez-nous à l'enfermer dans le pied.
capturé. Jamais je n'ai vu un poisson de cette taille-là. Vous savez que mon grand-père avait essayé de le capturer lorsqu'il était jeune. Koum-koum, comment est-ce qu'un poisson aussi intelligent s'est laissé prendre? Il ne s'est pas laissé prendre, il s'est pris tout seul. Il est très malin. Il sait bien que je ferai comme mon papa et que je le laisserai partir. Alors on a plongé sous l'eau, Moustique et moi, on a réussi à le coincer. Il se débattait comme un diable. C'est là que je l'ai attrapé par la queue. S'il te plaît, Koum-koum, tu ne pourrais pas parler d'autre chose que de ce maudit poisson qui porte malheur? Je t'avais interdit de retourner jouer à la rivière, Koum-koum. Tu es un petit garçon très désobéissant. Papa, tu n'avais pas dit que tu lui donnerais la fessée? J'espère que tu ne recommenceras plus. Non, non, papa. Mais j'ai capturé le poisson que grand-père et toi n'ont jamais pu capturer. Je vous ferai voir demain le poisson arc-en-ciel. Le monstre de la rivière. Alors, tu ne dis rien? Koum-koum, je peux le voir, le monstre? D'accord, Tintin, je le montrerai demain, c'est un monstre. Un monstre. Moustique, où tu es? Mais pourquoi est-ce que t'es tout nu, toi? Parce que je suis retourné à la rivière. Hein? Oh, et t'as essayé d'attraper ce maudit poisson, hein? Bon, j'ai faim. Allons dîner. Allez, viens. Oh!
sous la pluie, il était très solide. Ben, je sais pas, mais quand on est arrivé, le poisson il avait disparu. T'es un menteur, Koum Koum. Je suis sûre que c'est toi qui l'as laissé partir. Pourquoi on aurait fait ça? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est folle. Peut-être elle veut dire que c'était un poisson fait pour la liberté. C'est pas juste. C'est moi qui l'ai trouvé la première. Et vous n'aviez pas le droit de faire ça. Je vous déteste et je jouerai plus jamais avec vous. Oh là là, ce poisson arc-en-ciel. お話はおっちょこちょいのクムクムがフルフルの恋を手助けして大奮闘。次回帰ってきた旅の子ローマン、どうぞお楽しみに。